J'utilise, on peut dire, une technique assez particulière. C'est le digital. Est-ce qu'on peut l'appeler une technique? Pour moi, oui. Parce que le digital permet une immensité de possibilités au niveau des couleurs, des mélanges et aussi des variations. Je trouve que c'est plus pratique d'être sur du digital. Pourquoi? Parce que j'utilise énormément mon téléphone portable. C'est de mon téléphone portable que je dessine, je manipule les couleurs et j'en fais, donc je construis, voilà, des dessins et des... gérer des symboles qui sont plus ou moins spécifiques et qui signifient énormément de choses. Le thème, la famille, un réel challenge. J'étais perdue. Perdue dans l'immensité du thème en lui-même, puisque le thème est vaste. La famille veut dire énormément de choses. La famille peut inculquer énormément de choses. Donc, pour pouvoir me retrouver dans ce thème en particulier, ça a été assez complexe. Le thème qui est récurrent dans tous mes travaux, c'est la femme. Je me suis dit, bon, allez, donne la femme son importance dans le thème de la famille. Donc, c'est pour cela que j'ai construit une femme qui illumine son couple afin de pouvoir créer une famille. Alors, transformer le digital en forme physique, c'était un choix particulier. Pourquoi? Parce que généralement, le public a besoin de ressentir les choses. Le public a besoin de pouvoir toucher, peut-être. Le public a besoin de ressentir que l'œuvre est réelle. J'ai voulu absolument que mon tableau soit représenté sur un canevas pour toucher un plus grand public. Si vous nous regardez actuellement, et que l'art vous dit quelque chose, alors venez nous voir. Nous avons une vingtaine d'artistes qui exposent en ce moment à la MBC et c'est jusqu'au 15 mai.